Bonsoir YouTube. Peut-être le dernier épisode d'Amnesia. On est sur Twitch. Rejoins-nous sur Twitch. Twitch.tv/DraydenTV bien sûr. J'étais obligé de mettre le TV à la fin. Fait chier, mais c'est comme ça. Voilà. Merde. Les enfants, on va aller à la maintenance pour... Parce que je me souviens... Attendez, est-ce qu'on a la clé à molette? On va aller à la maintenance. Je me suis souvenu que... Le son c'est ok, hein. Le son c'est ok. Dites-moi s'il y a un problème au niveau du son. Le problème c'est que je sais plus où est la maintenance. La maintenance! Maintenance! C'est pas ici. Oula, c'est vrai que Maurice il marche dans les... Il marche dans les couloirs comme un petit chenapan. Il marche tel un petit chenapan. Est-ce qu'on avait où pas ramasser des trucs peut-être? Non, une note, on s'en fout. Maurice. Maurice Carême. On avait tout ramassé, très bien, formidable. On va aller à la maintenance, je sais plus où elle est, mais on va la trouver. Ah oui, si, je me souviens. Elle est, je crois... Non? Pas du tout. Yes, bah écoute. On va crever, hein. Non, au pire, on n'ira pas. Ah, maintenant, c'est là. Bonjour. Ah! Putain, ça y est, ça commence. Horrible, j'avais oublié comment il marchait, le mec. Maurice? Il y a Maurice, là. Je crois qu'il est en face de nous. Commandez jeudi soir le pack découvert, le moment Citrus Cobra et Raspberry Raptor, c'est ma pa... Je lis le chat là. C'est lequel ton préféré? Maurice? Ah alors. J'ai peur. J'avais oublié, là j'ai plus l'habitude là. Ah ça m'énerve. J'étais en mode serein et tout, là je... voilà. Non, ça suffit. Alors le problème c'est qu'en fait on a des cocktails. On a combien de cocktails? Petit cocktail. Un petit cocktail Maurice peut-être? Un petit cocktail? On en a encore un. Ok. En fait je me souviens qu'il y avait une clé là. D'ailleurs la clé, en fait, vous savez ce que c'était la clé? J'ai regardé ce que c'était sur internet parce que je comprenais rien. Et en fait, parce que j'avais l'impression d'avoir loupé un truc. En fait on a rien raté. La clé servait à ouvrir l'espèce de passage en plein air où on était là. Sauf que nous, on a pété la porte pour y aller. Voilà. En gros, on est fort. On est fort en jeu vidéo. Bon, on va y aller doucement. Parce qu'apparemment, Maurice n'est pas content. Oh non, Maurice, tu as pas commencé. Petite préf pour le citrus. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai pu lire ton message. Désolé, le monstre nous avait embêté. Sinon, ça va le... Le chat. En fait, c'est pas la maintenance. C'est pas la... Il est malade. C'est pas la maintenance, je dis des bêtises. C'est pas la maintenance où je veux aller. C'est le quartier des soldats. I remember it. Je crois. Oui, c'est ça. Oui, si c'était dans une chambre. En fait, souvenez-vous, dans une chambre, il y avait une grille. Et on pouvait récupérer des trucs dans cette grille. On va essayer de pas crever quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est cette chambre-là? Non, je crois que c'était celle-là. Là, j'ai la bonne mémoire, hein. J'en sais rien en vrai. Si se trouve, c'est pas ça du tout. Ok, ça fait peur ici, j'y vais pas. On n'a pas d'essence, c'est vrai qu'on a un déficit. Ah, elle est là! Comme ça on va pouvoir tester cette chose immonde. Sérieux? Oh, faut ouvrir les 4 trucs. Fous de ma gueule. Fous de ma gueule. Ah ok. Ça fait du bruit ça vous pensez? Je pense que oui. On va retenter, on n'y voit rien, hein. C'est normal. Hein. Ça fait partie du jeu. Hein. Allez, l'objectif c'est de récupérer ce qu'elle a dedans et de se barrer. Oh putain, j'y vois que dalle. Tu vois vraiment rien. Merde, c'est où? C'est où la sortie? Merde. Là? Oui. Non? Si, c'est bon, c'est là.
Oh, qu'est-ce qu'on est fort. Qu'est-ce qu'on est fort au jeu. Maurice. Maurice est pas loin. Maurice est pas loin. Maurice va nous buter. Ah, c'est bon. Tu te calmes. Et oui, on a une autre place d'inventaire. Et ça, c'est beau. C'est beau jeu, ce qu'on vient de faire. C'est beau jeu. On n'est pas parti comme des lâches. Non, on est allé la récupérer. Bref. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons aller... c'est où qu'il fallait aller? À la prison. Pour faire la même chose qu'on vient de faire là, c'est-à-dire ouvrir une salle. Ouvrir la cave... La, comment ça s'appelle? La salle du, où il y a le gardien de prison. Alors, c'est quoi qu'on a chopé là? C'est Joubert ou Farber? Non, c'est Sergent Joubert, je pense. Ouais, Sergent Joubert, c'est lui. Reynard s'est enivré avec la réserve de vin qu'il nous cache. Je ferais mieux d'aller le voir... Soit pour le mettre au lit pour qu'il décuve, soit pour le convaincre de partager une bouteille ou deux avec moi. Alors on peut aussi aller chercher du vin, mais on s'en fout. Allez hop, on y va pas. Donc, sauvegardons. Je regarde ce qu'on a dans le truc là. On a un petit cocktail Molotov, mais on en a deux. Ça va. Allez, on y va. Vous êtes prêts? On y va. Bonsoir Rezar, comment vas-tu? Prêt à avoir peur? Mais déjà, j'ai eu un petit peu peur là. Déjà, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur. Voilà, je me souvenais plus trop de comment ça marchait. Il faut aller où? La prison. La prison, mesdames, messieurs. Ok, c'est bon, je suis posé à voir Momo. Mais oui, mais posez-vous. Normalement, vous avez le temps de vous poser. Hein. J'ai attendu bien un quart d'heure entre le moment où je lance mon live et le... J'avoue que c'est pas beaucoup un quart d'heure, mais bon. Prison, mission, communication. C'est où quoi? Prison. Les gars, Maurice, on a la clé à molette, hein. Je fais attention à ce qu'il y a un script, tu vois, je me prépare à ce qu'il y a un script, en mode, comme on a la clé à molette, peut-être que... Voilà. La prison, on connaît, on l'a fait plein de fois, la prison... Je veux dire, ça a plus de secret pour nous, quoi. On a buté le mec à travers la porte. Donc à partir de maintenant, on va... J'ai l'impression qu'il est juste à côté de nous, genre il marche à côté de nous, Maurice. Il se régale. Bon, j'espère que votre journée a été bonne, hein, cela dit, les enfants du chat. Je l'espère grandement. Mais déjà, on n'y voit rien, mais c'est quand même tragique. Ah, il y a une petite lumière, là. Merci, la lumière. Comment ça, il... Ah non, le mec va parler, là. Attendez, imaginez, on fait du bruit. Maurice est là. Maurice est là, c'est scripté, 100%. Maurice, fais gaffe, hein. Il est rentré, non? Il a pas fait le cri. Oh putain. Oh putain. Ah, il est là. Ma vision s'est floutée, c'est qu'il était devant moi. Maurice? Ça, c'était le cri, ça? Vous pensez? Je pense. C'était pas comme d'habitude. Il doit y avoir des variantes. J'y vois rien, mais... Donc là, c'est là qu'on va, hein. Cette fameuse porte. Cette clé à molette, n'empêche, on a sué pour la choper. On a passé tout le jeu à chercher cette clé à molette. Oh là, il arrive. Oh putain. Maurice, ne nous tue pas. Où il est? Il est juste là, non? Attendez, on va se cacher, hein. Attendons qu'il se calme.
dans cette ambiance totalement... Ah! Quand ça clignote plus, c'est qu'il est plus là. Ok, il est parti, ça clignote plus. C'est sympa, ça. Sympa comme info. Une petite tasse de thé, peut-être, les enfants? À quoi, le thé? Vous voulez le thé à quoi? Oh, merde. Oh, il est là. Oui, il est là. Oh, merde, il est là, en fait. Il est dans le couloir avec le mec. Oh, merde. Oh, merde. Vous imaginez, il rentre par le trou, là? Ça, c'est mon cauchemar. Il est là. Maurice? Ah, s'il rentre par le trou, je fais des cauchemars pendant 8 jours, hein. Minimum. Ok, il a fait le cri, non? Il est parti. Ah, c'était ça le cri, non? C'est ça le cri. Il est pas content, il tape le plafond. Qu'est-ce que c'est? C'est laquelle? Open. On ouvre toutes les portes? On ouvre toutes les portes. Allez. Allez, maintenant il faut aller voir Jean-Jacques. Jean-Jacques? Ferme ta gueule, Jean-Jacques, hein. Il est où déjà? Allô? Bonjour. On vient vous libérer, monsieur. Pourquoi ça s'ouvre pas? Ta gueule! Fermez les toilettes! J'ai rien compris, pourquoi c'est pas ouvert? Il est là, hein, il tourne. Vas-y, va le tuer, mec. Va le tuer, c'est ouvert! Regardez Maurice! Oh. Tue-le! Ah, là il a fait le bruit de je me casse. C'est insupportable par contre, les enfants là. Hein. Il n'y a pas de courant peut-être. Ah, punaise! Vous avez raison. Le courant. Mais si, bien sûr. Mais attends, mais si on n'a pas d'essence, comment on fait de haut dans le jeu? Tu penses c'est ça? Vous pensez c'est ça? Pas de courant? C'est vrai que ça a une gueule de courant, ça. Ça a une gueule de courant, cette histoire. Mais ça me fait bizarre, quand même. Je trouve ça bizarre. Parce que imagine, t'as plus d'essence, comment tu fais? J'y retourne comme un ouf, ça vous va ou pas? Sinon, si on n'arrive pas à ouvrir là... Allô? Ouvre la porte! La porte! Vas-y, on se... Vas-y, on se barre, on va mettre le courant. Ouais, bah le courant, mais ça me fait bizarre quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais si! Je viens de comprendre un truc. Bah non, en fait. Oh putain. En fait. Ok, c'est bon, on a réussi. Au moins. Ok, on a ouvert le truc. C'est déjà cool. On va attendre qu'il se calme. On va attendre qu'il se calme et on va mettre le courant, d'accord? On va mettre le truc. On a un réservoir d'essence en bas. Mais on n'a pas de bouteille à l'infini. Je pense que c'est ça. Il y a forcément une solution pour avoir du carburant. Alors il y a une pièce où on peut faire tomber du carburant à l'infini. Mais il faut des bouteilles. Et du coup t'as pas de bouteille à l'infini. Ou alors ils se sont arrangés pour qu'il y ait plus de bouteilles que de carburant dans le jeu. Bon, on a de la chance. On en a un. Ce qui veut dire qu'il va falloir rusher de ouf. Attendez, j'attends qu'il... On va le mettre déjà.
Normalement on a le temps d'y aller hein. Ah le fameux cri, on y va. Here we go guys. Prison. Prison là-bas. On fait du bruit, on fait du bruit, on fait du bruit. Et après on en fait plus. Genre là, à partir de maintenant on n'en fait plus. C'est ça? Ouais, allez hop. Normalement on est large hein, au niveau du temps là. On a bien rush. J'avais jeté une bouteille vide juste devant, non allié, peut-être encore. Non non mais j'ai du carburant, j'ai du carburant. C'est juste que je me dis, si imagine t'as plus de carburant et tu te retrouves là, comment tu fais en fait? Là est ma question. Ah donc là c'est allumé sauf celle-là. Là tout est allumé hein, on a... Voilà, franchement ça a l'air d'être ça. Ça clignote les lumières hein, il est pas loin Jean-Jacques. Hein. Maurice n'est pas loin. Oh oui. Bonjour. Tenez, votre colis Amazon. Il a clairement bouffé le mec là. Il a clairement buté le mec. Et c'est pas grave parce que nous avons la pince coupante. Et donc là on va rigoler. Il a mangé le mec. Non, il a clairement mangé le mec. C'était scripté, je m'en doutais, mais je préférais me barrer quand même. On lui a quand même donné son colis Amazon. Pauvre, l'empêche le pauvre ce mec, il a tellement pris cher. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre ça. Oh, attendez, on a... est-ce qu'on va se servir de la clé à molette peut-être un jour? On a besoin de ça. Ça, on en a plus vraiment besoin. Donc, je vais... l'utiliser, allez c'est parti. On se met full live, je sais pas pourquoi j'étais pas full live. Ça se trouve je le suis mais je le serai deux fois plus. On va prendre deux grenades. Au cas où on a deux molotovs. C'est pas mal. Est-ce que deux molotovs vous pensez que ça suffira? Est-ce qu'on prend de la vie? Heureusement que je suis allé chercher le... Oh il y a un masque à gaz là, je suis en train de me dire. Ouais mais on va, au pire on reviendra. Le masque à gaz j'ai l'impression que c'est particulier comme délire. Ah mais il a dynamite qu'il nous faut absolument. Suis-je bête? Donc on a deux molotov, la clé, deux grenades. Bon ben écoutez, écoutez j'espère qu'on va s'en tirer avec ça hein. Peut-être qu'on a plus besoin de ça. La clé à molette, on vient de l'utiliser pour un truc exceptionnel. Il me semble qu'il fallait la pince coupante pour aller là où on va aller, là. Il n'y a plus qu'une seule option. Donc, en vrai, on peut y aller avec un inventaire vide. Enfin, un slot vide. Je pense que c'est pas trop mal. Qu'en pensez-vous? Vous dites quoi, vous? Salut Michiro, comment tu vas? Bonjour à ceux qui arrivent, bien sûr. J'espère que vous allez tous très bien. Maurice a bien mangé, tu es tranquille quelques minutes, j'avoue. Écoutez, on va sauvegarder avec ça. Et si jamais il y a une couille, bah voilà. Donc là c'est tout droit. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je m'en souviens. Là je me souviens. Vous inquiétez pas. On se rappelle. J'ai des guns. J'ai rechargé mon gun. Ouais, ok. J'ai combien de balles de gun? J'en ai zéro, c'est ça? J'en ai deux. Bon, elles sont pas côte à côte. Mais bon, j'en ai deux quand même. Donc c'est là que nous allons, le tunnel, on va prendre de l'essence. Ah, bouteille et essence, tiens, incroyable. On va prendre de l'essence, sait-on jamais. Donc là j'ai utilisé mon slot vide pour de l'essence, ouais ok, bon on verra plus tard. Ah oui c'est vrai, ces chaînes de mort là, oh là 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 là. Oh là là, et oh hein.
Voilà. Hihihihihi, on peut passer maintenant. Je garde le molotov à la main. Oh là, mais je suis dans la merde. Je suis dans la boue. Ah. Ah, ça rappelle Amnesia, mais justement le monstre de l'eau. Ceux qui ont joué au Jux. Attends, c'est... Y'a pas genre un truc pour baisser le niveau de l'eau, un délire Ah là. Non, ok. On va pousser ce tonneau alors. Est-ce qu'on peut monter sur ce tonneau? J'ai pas trop l'impression que ce soit très plateforme friendly. Celui-là, on peut monter sur celui-là quand même. Non? C'est un scandale. Et du coup, je vois que cet endroit-là. Hein. Et Maurice, il va arriver dans l'eau là, vous pensez? Ah si, bah ça passe. On aurait dit que ça passait pas tout à l'heure. Oh là là! Vous imaginez, il y a la tête de Maurice là d'un coup. Horrible. Ça tire pas la chasse. Vous m'en voyez fort déçu. Ah, imaginez, il faut... Il faut tirer... Ah non, mais c'est par là, c'est sûr. J'ai peur que Maurice, il arrive derrière moi et qu'il faut... J'y vois rien. C'est horrible. Ouais. Je peux rien faire. C'est ça. On dirait qu'on peut pousser le truc, mais... On dirait, simplement. Alors, sur le côté, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrête, Maurice, arrête. Arrête de crier comme ça. Comment on fait? Je me cache. C'est l'endroit le plus rassurant de l'univers ici, non? Je me sens vraiment... À mon avis, à tous les coups, il y a un truc, là. À tous les coups, faut aller mettre du générateur, non? Vous en pensez quoi? Parce que là, on a ce interrupteur avec le petit truc rouge qui nous dit... Hé! Mec! Et du coup, ça va baisser le niveau de l'eau, peut-être? Je sais pas, hein. Je pense qu'on est parti pour faire ça. Je pense qu'on est parti pour faire ça, allez. Trêve de bavardage, on va se... On va se rencontrer un petit momo sur la route. Je t'aurais dit plutôt de garder une grenade en stock juste au cas où. J'en ai deux. Ah non, mais j'en ai deux sur moi, mais t'inquiète, quand je meurs, je les perds pas. C'est pour ça, en fait, j'ai pris des grenades justement, tu vois. Mais là, je vais pas péter une grenade pour ça. Hein. Là, clairement, faut juste activer le générateur. On a chopé de l'essence. On a chopé de l'essence sur la route, c'est bon. Par contre, Maurice est juste là. Début de la pièce, c'est une espèce de générateur. Ouais. Ah ça! Oh putain, oui! Ah ouais, le truc rouge. Et du coup, clairement, c'est ça. Et on met l'essence où, là? Ah, bien vu, hein. Oh là là, mais trop fort, hein. Maurice est pas là, hein. Il est dans le mur, à côté de nous, mais il est pas... c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et ça, c'est... Mais oui, ça va aspirer l'eau, c'est sûr. On va tirer la chasse. Mais... Mystère et boule de gomme. Ah mais clairement il nous faut le générateur, on est d'accord. On va mettre le générateur et après... Et après on tire la bobinette Shera quoi. Bon, on va mettre le générateur. Bonjour Maurice, comment tu vas? On a du cul, à chaque fois on tombe sur pile le truc d'essence qu'il faut. On va y aller doucement. Cours! Je suis monté à combien max capteur? Au capteur aujourd'hui? J'ai pas dépassé les 100 je pense. Hein. Ok, donc là on a fait quoi? On a pété un truc avec la pince, formidable. Qu'est-ce qu'on a sur nous? On a tout full et on a l'essence. Ok, on va mettre l'essence. On a récupéré au passage.
On est reparti pour un petit tour. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Mesdames et messieurs, on active. Et on sauvegarde au cas où on fasse de la merde. Alors je me dis, je fais du bruit là en fait au début. Et quand j'arrive milieu tunnel, j'arrête. Genre là, hop, chargement, j'arrête. Là on se calme. On canalise. Ou alors il faut activer le générateur pour activer le mini générateur. Ouais mais c'est ça. Non mais c'est exactement ça qu'il faut faire, je pense. Ça me semble logique. Après Momo, on le connaît pas très friand de la lumière. Hein. Donc là on a activé la lumière, on a peut-être aussi moins de chances de se faire aggro. Logiquement c'est ça. Hein. Et donc là, c'est bon, on arrête de ramper. Alors le mini générateur... Alors il se passe un truc là. Le niveau de l'eau baisse. La classique. La classique. Et donc l'autre truc servait juste à la lumière. Ce qui est plutôt pas mal. On va tester quand même. Et donc là maintenant est-ce qu'on peut passer... Ah il y avait une planche qui bloquait la connasse. Pardon. Donc ouais on peut passer. Au niveau des sons, c'est ok d'ailleurs, je vous ai pas, dit mais... Normalement j'ai rien touché depuis la dernière fois donc... Ah, mais qu'est-ce qu'on est fort au jeu. Par contre j'espère qu'ils vont pas nous demander de revenir au générateur toutes les deux secondes parce que c'est... on a plus d'essence là. A plus des... Dégage. A plus d'essence, hein. Bonjour. Eh bah dis donc. Donc là on est dans les tunnels, donc en gros les tunnels bah ça sent... Ça sent pas très bon les tunnels quoi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ah. Je suis l'agent d'entretien. Je suis l'agent d'entretien, je viens déboucher les chiottes. Ah, apparemment je pense pas que ça fonctionne. On a l'air tranquille ici, je sais pas, j'entends plus Maurice. Une colonne grecque, gréco-hongroise et une brouette. Donc je pense que le meurtrier est un jardinier gréco-romain. Voilà, je mets mon vote là-dessus. Ah, des yeux. C'est dégueulasse. j'ai une note. Très bien. Mais qu'est-ce que donc? On saute les tunnels. Oh, du gun. Oh, du gun. Mais oui, on sera égal. Du gun à foison. Est-ce qu'on prend les bouteilles? On s'en fout des bouteilles. Il y en a deux. On s'en fout complètement. On sait qu'il y en a ici. Hein. Retenez les bouteilles ici. La photo. La photo. La... C'est quoi ce bruit? Genre, c'est de l'eau qui coule. Me dites pas qu'il y a une créature qui rampe derrière moi dans... Moi, j'ai vraiment cru qu'il y avait Maurice qui rampait derrière moi dans la flotte. J'ai failli crier tellement fort. Ça aurait été très bien joué de leur part, hein. De quoi faire une crise cardiaque facile. Commentaire, non c'est pas ça. C'est quoi qu'on n'a pas, soldat? Elle m'entend. J'ai vu son visage. Lorsque Temblé s'est fait prendre, j'ai vu le visage de la créature alors qu'elle commençait à déchirer son corps. Elle m'a regardé droit dans les yeux et je pense qu'elle savait peut-être qui j'étais. Mais c'est quoi ce truc bon sang? Elle m'entend. Chaque fois que je fais un pas, je jure qu'elle m'entend. J'ai rampé jusqu'à ce trou. Je vais juste attendre. Je vais juste retenir ma respiration et attendre. Peut-être qu'elle va s'en aller. Si je suis assez silencieux, pitié, faites que je sois assez silencieux. Donc, ça veut dire qu'il faut pas faire de bruit. Ce cauchemar doit cesser. D'accord, bon, la créature est méchante. Hein. On le savait déjà. Merci beaucoup. On va faire de bruit, on le savait déjà aussi. C'est quoi ce merdier là? Il y a des trucs. Attendez, on va mettre... Là, franchement, s'ils avaient fait en sorte que la créature arrive en... Pourquoi je peux pas charger la balle? M'explique. Ah, c'est bon, je peux. Ok. Alors là, il nous donne clairement... On a bouteille. Bonjour. Oh! Ça m'a débloqué un truc. Je ne crois... Attends. Ça, c'est le truc de la... Attends. Si, c'est ça.
Information sur le prisonnier. Non, c'est pas ça que je viens de récupérer là. Ah, c'est ça. Soldat Boisseron. Comment faire pour sortir? La dynamite est enfermée dans l'arsenal. Ça, on l'a eu. Le détonateur est quelque part dans le tunnel romain. Dans les profondeurs de l'enfer. Mais c'est ça, c'est le détonateur. Donc ça, c'est le détonateur. Ok. Bonjour. Grac. 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 J'ai un gun, hein. On va garder le gun, ça fait plus... C'est plus dramatique. Et en plus, ils nous ont donné une balle de gun. Je me dis, est-ce que c'est un hasard? Pourquoi cette pierre sont en... Est-ce que c'est normal que ces pierres soient en lévitation? Est-ce que c'est un bug ou... Le champ magnétique est perturbé! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de tirer là. Vous savez que si je tire, ça explose? Bonjour la pierre. Elles sont mignonnes les pierres. Bon oui c'est méchant mais non, il est brave comme tout. Y'a un mec. Y'a un mec. Bon on a bien fait d'avoir le... Le flingue. Ça se trouve il est gentil. Il est où? Oh là, il y a un mec là! Ben, je veux dire, c'est lui le mec? Je l'entends pas ici en fait le mec. Je l'entends à droite moi. Et là, il y a quelque chose devant moi en fait. Vous voyez ou pas? Le truc qui passe devant la fenêtre là. C'est lui, vous pensez? Trop bizarre, ça vient de là, moi. Moi, la voix, pour moi, elle vient de là. Genre, je vise, et là, il y a le mec, il est là. Mais qu'est-ce que c'est, le truc qui marche devant moi? Oh, putain! C'est des illusions? Ah putain, c'est des illusions, mais horrible! Ah, c'est vachement bien fait par contre. Je me chie dessus là. Ça se sent dans mon battement cardiaque là. Putain, c'est hyper perturbant. Bonjour. Ah. More likely another wizard. Magic. C'était un rat. Il a buté un rat. Il est taré ce mec. Il est taré. Il est malade.
Jackie? Il y a un flingue? Bah oui, il a tué un rat en fait. Je vais te buter, je vais te buter, je m'en fous, je cours. Ah. On l'a réglé, vous pensez? J'ai une balle encore. Il a l'air réglé. Hey, il nous a fait peur, hein. Le con. Vous pouvez plus acheter d'objets à votre inventaire, comment ça? Ah oui. On va se soigner du coup. Notre seul truc de soin, hein, yes. On a un pompe du coup. Canonnier. Le pompe on va le mettre sur 2 du coup. Il nous reste une balle de gun. Souvenez-vous. Souvenez-vous, il nous reste une balle de gun. On va quand même mettre le pompe sur. On va remplacer le pompe. Hein. Du coup le flingue, j'ai presque envie de le faire tomber par terre. Il nous reste une balle. Ouais mais non, on peut pas faire tomber le flingue, hors de question. Chargé. Ok. Bon, il nous a fait peur. Donc là, on est revenu devant la statue de Jean-Michel. Non, il nous a fait très peur, mais on l'a réglé quand même. On l'a maîtrisé. Il a fait plus flipper que Maurice. Non, mais de ouf. J'ai même pas compris sa gueule. Genre, sa gueule, pour moi, elle avait aucun sens. Genre... J'ai pas compris sa gueule. J'étais là genre mais quoi? Il y avait une note non? Ah non c'était, c'était de la toile. C'était du... Il était là là. Mais je sais pas si c'était normal qu'il nous ait fait flipper comme ça. Genre moi j'étais là caché ici dans le creux là. Et il a fait bonjour. Et il nous a flingué la gueule quoi. Et pire c'est qu'on a pas pris tant que ça. Mais je pense qu'en fait c'est un jumpscare obligé. Je pense que c'est un jumpscare obligé et t'es pas censé mourir en fait. Bon, au début j'ai vraiment cru que j'étais mort. Hein. Par contre, oh une poutre. Merci. J'ai vraiment cru que j'étais dead. Mon dieu. Donc on va casser cette porte avec la sainte poutre. Voilà. Ça, franchement là on gère. Ah le fameux détonateur. Du coup faut que je le prenne. Attendez. Regardons la salle avant. Parce qu'en fait j'ai l'habitude de lancer le premier Amnesia. Et des jeux d'horreur en général. Quand tu prends des objets clés, il y a des monstres qui apparaissent. Donc on va attendre avant de prendre l'objet. On va inspecter. Là il y a du heal. Tiens. On n'a pas assez de trucs. Inspectons avant. Oh des balles de gun. Pourquoi pas. Attendez, on va reprendre le gun, on va le recharger, comme ça ce sera fait. Ok, donc là, en plus, on a les deux d'affilée. On sort le pompe. C'est rassurant d'avoir un fusil à pompe d'un coup. Un pouvoir rassurant d'avoir un fusil à pompe comme ça. Ah. Donc là, très clairement, il faut la sainte poutre. La sainte poutrelle. Oh, une place de sacoche. Trop bien. Et regardez, on est full là, je pense, en sacoche. On a toutes les sacoches du jeu, je pense. On est trop fort. On va ouvrir cette porte. Ah, en face de nous, il y a clairement un passage, non? Salut Ayo, comment tu vas? Oh, t'as loupé un passage, Ayo. Mais trop marrant. Je pense que c'était le plus gros jumpscare du jeu pour l'instant. Ça vient d'arriver à l'instant. En fait, c'était un mec. Un mec qui voulait nous buter, en gros. Je crois que c'était un mec. On n'a pas la certitude. Qu'est-ce que c'est que cette salle de ouf? Bonjour. Il y avait des hallucinations aussi. Ça mettait hyper bien la pression, ça, les espèces de spectres. J'ai eu peur dans la brume. Il n'y a rien là, c'est une blague? Genre on pète une porte, il n'y a rien derrière. Bah super, merci. Ah, des escaliers.
Attendez, je reviens au détonateur là parce que ça me fait flipper cette histoire. Alors il y a full bouteille. Le mec est full bouteille quoi. Relulu, re-ayou, j'espère que vous allez bien. On a buté Jean-Michel. Mais pas Maurice, vous inquiétez pas. Là il y a clairement une lumière. Bonjour la lumière. D'habitude les jeux d'horreur ça se rush, tu vois, tu fais pas toi 100%, t'as peur. Bon, on a pas, je pense on a pas toutes les notes et tout, il y avait des casiers avec des chaînes, mais ça va quoi, genre on a quand même beaucoup beaucoup de choses. Je pense qu'on est full inventaire et c'est le plus important. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je devrais pas aller chercher le détonateur? Non, attendez. Oh là, mais attendez, mais c'est fin du jeu ça, non? Ah mais c'est le trou du début, non? League of Legends. Ça m'avait pensé à des trucs de League of Legends. Oui, j'ai prononcé le mot, le L-Words, excusez-moi. C'est joli. Lambert. Oh, Lambert! Monsieur Lambert. Oh, monsieur Lapidour, le pro. Ah, genre, c'est un succès. Et qu'est-ce que c'est cette merde? Un lapin en peluche, il a peut-être une valeur sentimentale pour quelqu'un, peut-être lancé. Peut-être lancé. Oh, monsieur Lapidou. On le garde jusqu'au bout. Attends, mais ça se trouve, c'est le lapin de Lambert. Attends, il dit quoi, Lambert? Non, on avait pas de notes, on avait juste son médaillon. Bon bah on a un lapin. Attendez, me dis pas que c'est le lapin de Maurice. De toute façon on va forcément... On peut le lancer une fois. Je sais pas si on peut le lancer une fois mais... On va le lancer sur Maurice. Obligé. J'en sais rien, je sais pas si c'est une bonne idée. Ou alors faut le mettre dans le casier. Ou alors ça débloque une fin secrète. Je sais pas. On va le lancer sur... Il est marqué peut-être lancer. Ça se trouve, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est marqué sur les autres trucs? Se brise et brûle à l'impact. Une grenade, elle explose quelques secondes après avoir été armée. Non, ça le dit que pour ça, peut-être lancer. On fait quoi? On le donne à Maurice ou pas? Vous en pensez quoi? Oh putain, regardez les hallucinations là. Il y a eu l'hallucination encore là. Horrible ça, c'est trop bien fait par contre, c'est une horreur. Hein. Genre il y avait vraiment le mob qui s'approchait de moi mais c'était pas vrai quoi. Putain ça, ils sont... Là regardez. Oh les bâtards. Ah mais du coup j'ai plus de place. Faut se séparer d'un truc. Séparons-nous d'un truc, on sépare de quoi? Je pense qu'on n'aura plus trop besoin de ça. Les grenades on les garde, les grenades c'est la vie hein. Les grenades il nous les faut. On les met sur 1 d'ailleurs les grenades. Je pense qu'on va virer ça. Dynamite objet clé, le lapin je sais pas mais c'est notre meilleur ami. Ouais on vire l'essence hein, je pense. Le détonateur. Donc là on va arrêter de faire ça. Là elle était bizarre l'ombre, en plus c'était l'ombre du mec qui courait. Franchement c'est des fous hein. Faut pas faire ça aux gens quoi, c'est des malades. Ça c'est où cet endroit? C'est lequel celui-là? C'est des fous. Jusqu'au moment où c'est le vrai mec, tu sais. Jusqu'au moment où c'est le vrai mec et tu te chies à mort dessus quoi. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. M'en fous, on a infligé la pompe hein. Fais gaffe hein. Donc là on est revenu là. Ok. Oh, je suis pas bien là. Genre, je vous jure. Regardez, il y a le mec qui court autour du gars. C'est Maurice, ça, c'est le vrai ou pas? C'est le pire truc au monde. Et franchement, ils ont inventé un truc de fou là. Je sais pas s'ils l'ont inventé, mais j'avais jamais vu ça dans un jeu d'horreur. Je sais pas où je vais là, je sais pas où je suis, c'est terrible. Ah, ça, c'est le début. C'est là qu'il faut aller. Ah, on peut plus y aller. Yes. J'ai hyper peur. J'aime pas être perdu dans un jeu d'horreur, c'est le pire truc, je pense. On a un shotgun, on a un shotgun. J'entends des bruits de pas quand même. Non mais c'est horrible les gars, je vous le chante. C'est horrible.
Elle est horrible cette brume. Oui. Oui, oui. Ah, mais c'est bon, je sais, pardon, excusez-moi, je suis bête. On va juste pousser un truc. Putain! Elle m'a fait trop peur! Là, j'ai l'impression qu'elles apparaissent encore plus. Dites-moi que c'est ça. Oh non, ça. Ça suffit pas? Oh, tu fais chier. Ah, c'est bon, celle-là. C'est bon, ça passe là. C'est bon. Merci la pelote, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Mais c'est quoi cette ombre qui tourne en rond? C'est des trucs pour te faire flipper. Ah, attendez là, je connais les jeux d'horreur. Là, on revient avec un truc clé, donc le mob va apparaître sur le chemin. C'est normal, c'est la base. Là, on a chopé le détonateur. Attendez, faut se remouiller là. Faut se remouiller là. Faut se remouiller. Bon bah j'ai un truc à dire, hein, c'est YouTube, rejoins-nous sur Twitch.